Énergie. Et à Jérusalem, nous sommes à présent en ligne en direct avec notre correspondante Pascal Zonshine. Pascal, après le tir par l'Iran de près de 200 missiles sur le territoire israélien, quelle va être la riposte de l'État juif ? C'est évidemment la question centrale après cette deuxième attaque directe de l'Iran contre Israël. Cette fois, uniquement des missiles balistiques, mais près du double de ce que l'Iran avait tiré le 14 avril. On a entendu hier soir Benjamin Netanyahou affirmer que l'Iran avait fait une grave erreur et qu'il allait payer pour cela. Hier soir, le cabinet de sécurité en a discuté durant de longues heures. On ne sait pas si une décision a déjà été prise. En tout cas, les plans existent pour répondre aux différentes décisions et considérations stratégiques. D'abord, est-ce qu'il faut une riposte immédiate ou au contraire laisser passer du temps ? En avril, Israël avait riposté au bout de 5 jours. Ensuite, il y a le facteur États-Unis. Hier après-midi, quand Washington avait prévenu Jérusalem de l'imminence d'une attaque, il avait aussi averti Téhéran de ne pas tirer, car cela aurait des conséquences. Et après les 181 missiles balistiques tirés par l'Iran, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, répétait que l'attaque iranienne aurait des conséquences graves et que les États-Unis agiraient avec Israël pour que cela advienne. Alors, est-ce que les Américains se contenteront d'appuyer Israël en défense, comme ils l'ont fait hier soir, en interceptant une partie des missiles, ou bien est-ce qu'ils passeront à l'offensive conjointe avec Israël ? La question est importante parce que les États-Unis jouent aussi leur crédibilité de puissance mondiale, aussi bien face à leurs ennemis que, et surtout, face à leurs alliés au Proche-Orient, en Asie, et en Europe. S'ils ne viennent pas en aide à Israël après une attaque comme aucun pays n'en a subi, que feront-ils si leurs autres alliés se retrouvent dans la même situation ? Mais dans le même temps, les Américains ne veulent pas se retrouver entraînés dans un risque de guerre régionale, de surcroît à un mois des élections. Donc, Israël doit prendre en compte le poids et la place de ce paramètre américain. Ensuite, il faut décider de l'intensité de la riposte, suffisamment forte pour dissuader l'Iran de ne pas faire de ces attaques une routine périodique, mais pas trop forte pour ne pas entraîner tous les pays de la région dans la guerre. Enfin, il faut déterminer la cible, un choix qui n'est pas seulement tactique, mais aussi stratégique. L'Iran prétend n'avoir visé que des objectifs militaires, même s'il a mis en péril la vie de millions d'Israéliens. Israël peut donc riposter par des frappes contre des sites militaires iraniens, comme il l'avait fait de façon très limitée le 19 avril. C'est l'option la moins risquée, surtout s'il y a une coopération américaine. La cible peut aussi être économique et viser par exemple des installations pétrolières iraniennes, comme les frappes de Tzal au début de la semaine contre 2 ports du Yémen tenus par les rebelles houthis pro-iraniens. Israël peut encore frapper des symboles du pouvoir iranien pour toucher le cœur de son prestige et de sa puissance politique. Enfin, la dernière option est une frappe contre des sites nucléaires militaires iraniens. C'est justement pour les protéger d'une attaque que Téhéran avait armé le Hezbollah au Liban, qui devait en faire sa force de frappe. Le Hezbollah n'est plus en mesure de remplir cette mission après les coups que lui a infligés Israël depuis 2 semaines. Donc la décision maintenant appartient à Israël, avec aussi la position de son allié américain, avec les répercussions évidemment pour toute la région. Merci Pascal, et on se donne rendez-vous tout à l'heure à partir de 8h sur Radio J. Radio J.